Salut les amis, c'est David de Gamecoder. Euh, Aujourd'hui je continue mon défi. Euh, vous savez que je me suis lancé un défi cette semaine, c'était de faire une vidéo par jour. Et je vous invite aussi à vous lancer des défis comme ça, des défis de, de, de courte durée, par exemple sur une semaine, faire quelque chose tous les jours. Et ça va vous permettre de vous dépasser et de peut-être créer des habitudes et de changer les choses et surtout d'expérimenter qu'est-ce que ça change dans ma vie de faire ça tous les jours. Et moi, je vois que ça change beaucoup de choses au niveau des retours. J'ai plus d'inscriptions sur mon école, j'ai plus de feedback, j'ai ma communauté qui augmente plus rapidement, j'ai plus de vues sur mes vidéos, tout, tout ça parce que voilà, depuis lundi... Je fais une vidéo par jour et je me rends compte, euh, mais en fait, je me suis réveillé euh, lundi en me disant, mais je communique tous les jours avec les euh, membres de, de Gamecoder avec, euh, via le chat et puis euh, j'envoie je des mails euh, quasiment tous les jours, puisque tous les jours je crée des le, nouvelles leçons euh, sur euh, l'atelier en cours euh, de, de l'école et donc j'ai des échanges. Mais toute euh, ma communauté, ben, c'est euh, plus de 1300 euh, followers sur Facebook, euh, plus de 500 abonnés sur ma chaîne YouTube n'ont pas de retour et ne me voient en fait bouger que les vendredis, même si je communique un petit peu plus sur Facebook, mais euh, c est, c est, c est, on ne voit pas en fait par, par la vidéo. Ce qui est génial, c'est que je peux vraiment vous parler directement, je peux vous montrer ce que je fais tous les jours. Et euh, voilà, ce défi pour moi est réussi et j'ai pas encore fini. Il me reste encore un jour. C'était du lundi au vendredi que je voulais être capable de faire cette vidéo. Hier, sur l'atelier euh, en cours de. Action Like, on a géré euh, la collision des tirs, notamment avec les murs. Alors, ça a pris euh, plus de temps que de simplement euh, gérer les collisions. C'est que, on a travaillé sur la notion de game state, c'est-à-dire un état euh, euh, du jeu qui va être partagé par tous les modules de votre projet. Euh, on avait pour l'instant quelque chose d'assez monolithique avec, dans le fichier main avec euh, la gestion des collisions, notamment de SAM avec euh, la zone de collision. Vous savez qu'on a une grille qui définit les zones de collision avec le, le décor, qui est le même dans toutes les salles. Ça permet d'aller vite. C'est sur le même modèle que Binding of Isaac. Et on avait besoin que cette euh, grille de zone de collision soit partagée, notamment avec le Bullet Manager qui gère les projectiles. Et pour ça, j'ai créé un GameStack qui, pour l'instant, ne contient que, la zone de, que les zones de collision des murs, mais qui tient, contiendra ben, toutes les euh, informations, notamment les ennemis qui seront présents à l'écran, de manière à ce que tout le monde puisse se partager un peu les infos. Et en Lua, c'est vraiment très simple. Hein. Il suffit de, de créer une table dans un Lua et de la retourner ici avec un return. Et ensuite, partout où on a besoin d'accéder à ce game state, on fait un require. Et comme Lua la, la, fait bien les choses, quand on fait un require et que la valeur retournée par le require a déjà été instanciée, on reçoit la même instance partagée, donc tout le monde se partage la même instance, et c'est l'équivalent pour ceux qui connaissent d'un singleton euh, en programmation objet classique. Euh, également on a eu une discussion hier sur le chat sur euh, le, les collisions avec les murs. Vous, vous voyez que, enfin vous voyez pas parce que vous ne voyez pas mes doigts, mais quand je collisionne un mur, je ne peux pas continuer à déplacer verticalement mon personnage si je collisionne un mur horizontalement. C'est-à-dire que si je garde le doigt appuyé sur flèche gauche, là, sur la direction gauche, je ne peux pas monter, je ne peux pas descendre. Si je lâche la direction gauche, je peux monter et je peux descendre. Alors qu'est-ce qui se passe C'est que euh, j'ai volontairement simplifié le système de collision de Sam avec les murs. On se contente tout simplement euh, de vérifier, euh, et c'est ici, que euh, Sam... Euh, dans sa nouvelle position, je vous montre sur un schéma, je me suis tout simplement contenté de euh, vérifier que si ça m'avance comme ça et qu'il est à rentrer à l'intérieur d'un mur, ben je le ramène à sa place précédente, mais je ne fais pas la distinction entre le déplacement horizontal et le déplacement vertical. L'idée ça va être aujourd'hui d'optimiser ça et de faire que si je me déplace comme ça. Que je suis à l'intérieur du mur, me rendre compte que ce n'est que le déplacement horizontal qui a causé la collision et que donc je peux conserver la position, le, le déplacement vertical et annuler uniquement le déplacement horizontal. On va faire ça ici et ça va permettre à Sam de psh, comme ça courir le long des murs. Et ce qui est quand même pratique parce que quand il y aura des ennemis, c'est vrai que ça sera, euh, ça sera un peu handicapant d'avoir ce blocage euh, de Sam contre les murs qui lui, va l'empêcher. Lui de s'échapper et souvent on garde le doigt appuyé sur les sur les deux directions pour se déplacer. On va faire ça aussi, on optimisera aussi le système de points d'affichage de, des sprites, mais ça je vous, euh, vous en parlerai dans l'atelier. Et vous savez que tous les jours euh, cette semaine, en plus de vous parler du côté technique comme ça et de vous euh, expliquer ben, un petit peu euh, euh, mon travail euh, sur, euh, sur l'atelier. Euh, de, de formation. Je parle d'un sujet généraliste et aujourd'hui, il euh, y ai eu un débat sur Facebook sur euh, le, euh, je sais pas si j'ai encore l'oubli le, non, c'est pas là, l'onglet. Sur Unity, il y a eu un débat sur euh, Facebook euh, parmi ma, ma communauté de, euh, parmi mon réseau euh, issu de l'industrie du jeu vidéo sur le fait que bah, ils avaient encore euh, changé leurs tarifs. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Unity Alors, euh, ils ont rajouté un niveau euh, intermédiaire plus, euh, en plus du niveau pro. Donc, vous allez vous retrouver à payer pour avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités, un peu l'équivalent de la version pro d'avant, sans le, les plateformes mobiles, je crois. Vous me corrigerez en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Et surtout, on paye et on conserve quand même le splash screen, c'est-à-dire le fait que euh, quand vous lancez votre jeu, vous avez euh, Made with Unity qui s'affiche au milieu de l'écran. Et vous savez que si vous travaillez avec un publisher ou si vous signez avec un, un, un éditeur, ce splash screen, il faut l'enlever. Et, euh, et donc vous allez devoir passer en pro, et la pro est plus chère que la pro d'avant, je crois qu'elle était à 90$, dollars. maintenant elle est à 125$. Mais elle inclut maintenant le mais je crois que ça faisait un petit moment qu'elle l'a quand même le, le, le mobile, donc bon, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Tout ça pour vous dire que quand on travaille avec des outils commerciaux comme Unity, alors Unity ils sont géniaux au niveau des équipes, je les ai rencontrés plusieurs fois. Ils sont vraiment complètement dévoués à vous les codeurs, ils sont là pour vous satisfaire. Mais au-dessus de ça, il y a une équipe commerciale et il y a une direction. Et eux, ils sont là pour faire du business. C'est une entreprise aux États-Unis, c'est Machine to Make Money. C'est une entreprise, c'est une machine pour faire de l'argent. Et Unity n'est rien d'autre qu'une machine pour faire de l'argent également. Et donc, vous êtes dépendant d'un changement. Vous voyez que comme ça, vous n'avez aucune garantie du prix ou de la gratuité de votre outil et ils peuvent changer à tout moment. Tout ça pour vous dire de, ben, de continuer à utiliser Unity si vous utilisez Unity. C'est un outil fabuleux et euh, il vous permet d'aller très vite. De toute façon, les technos euh, changent vite. Et justement, mon conseil par rapport à ça est simplement de vous dire soyez polyvalent. Même si vous êtes un pro Unity, que vous développez en un Unity ou dans un autre euh, produit euh, euh, non open source comme Unreal, par exemple, formez-vous en permanence à des nouvelles technos et notamment aux technos open source. Soyez curieux. Consacrez au moins. Euh, une demi-journée, voire une journée par semaine, à expérimenter des choses, à apprendre des nouvelles choses, à apprendre un nouveau langage, à apprendre une nouvelle techno. De manière à déjà à vous euh, à gagner en confidence. En confidence en français, ça doit être en confiance en vous. Pour euh, que si jamais il y a une couille dans le potage avec le produit commercial que vous utilisez, vous soyez polyvalent et vous basculer. De même, si vous avez un client. Si vous faites de la prestation de service dans le domaine du jeu vidéo et qu'un client vous dit euh, Moi j'ai un dev à faire sur telle techno ben vous la connaissez et vous l'avez euh, déjà utilisé. voilà Moi j'en ai utilisé plein. Je dis pas que si je bascule là euh, du jour au lendemain sur Axe par exemple ou sur Unity, je vais être dans les 24 heures opérationnelles, mais euh, il va me falloir voilà un ou deux jours de, de remise en, 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 en forme simplement ben, revoir un petit peu les changements qu'il y a eu par rapport aux versions précédentes et puis pratiquer quelques heures et tac, mon cerveau va tout de suite se remettre en route et je vais pouvoir utiliser cet outil-là euh, et, euh, et oublier l'outil précédent. Donc euh, travaillez votre polyvalence, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, je vois beaucoup de développeurs aujourd'hui qui sont pro Unity, 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 Unity ou d'autres techno et qui n'en sortent pas et euh, ben, qui vont avoir du mal à trouver du taf par exemple, parce qu'ils vont devoir pendant euh, des semaines se former à une nouvelle techno pour pouvoir euh, candidater dans un studio qui ne euh, va pas obligatoirement faire du Unity. Le jour où Unity euh, va avoir, prendre une direction qui va plaire à personne, tout le monde va vouloir basculer, ben, vous serez prêt. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Euh, soyez polyvalents. Euh, un dernier mot. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, vous pouvez vous connecter à mon site gamecoder.fr qui est une école de jeux vidéo en ligne qui va vous apprendre à programmer. Vous avez ici la liste des ateliers de formation et vous avez dans la première formation tous les ateliers qui la composent, on a déjà fait pas mal de choses, on avait déjà programmé un jeu et là on est en train de, bah, de développer ce, le jeu que je vous ai montré tout à l'heure, l'Action Roguelike inspiré de Binding of Isaac. On aura des graphes d'ailleurs peut-être aujourd'hui, euh, puisqu'on a un infographiste qui va nous aider euh, sur, euh, sur cet atelier. Euh, vous avez la possibilité de suivre cette formation en adhérant, en devenant euh, élève de Gamecoder. Et si vous euh, le voulez, vous pouvez adhérer en gratuit et accéder uniquement à l'apprentissage des bases de la programmation, totalement gratuitement en cliquant ici sur cette formation et en choisissant un accès gratuit qui vous donne la formation en base de la programmation. Mais je vous invite à me rejoindre en premium à partir de 19 euros par mois aujourd'hui pour pouvoir suivre l'intégralité des ateliers et accéder aux leçons que je poste toutes les semaines sur, euh, sur l'école. Gamecoder, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous pouvez euh, librement télécharger mon guide comment devenir euh, programmeur de jeux vidéo qui fait 50 pages en laissant votre mail et votre prénom ici pour vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez en échange cet ebook qui va vous donner plein de conseils sur euh, le métier. Plein de conseils sur comment dépasser vos limites, comment apprendre, dans quel ordre, quel outil en premier, euh, des conseils de développement personnel, des infos techniques, euh, plein de choses. Vous êtes euh, près de 1000 à l'avoir téléchargé. Aujourd'hui, on doit être à 980, quelque chose comme ça. On fêtera les 1000 téléchargements de mon e-book très bientôt. Je vous dis, croyez en vous, bon code, salut